Salut les amis, c'est Woody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on est de retour dans notre fabuleuse aventure sur Star Wars Jedi Survivor. Et j'ai envie de vous dire les amis, à ce matin. Donc on est directement là, on avait pris l'ascenseur et en bas, il y avait la petite énigme pour récupérer le steam. Maintenant, en route pour le sanctuaire du pèlerin. Regarde ça. Le pont vers le sanctuaire du pèlerin. Ouais, c'est tout beau. On va ramener ça aux archives de série. Ouais. Faut vraiment que je joue avec le vent pour aller jusque là-bas. Oh ouais. Oh tu. J'aurais besoin d'une pause. Ouais, ouais. Je dois vider mon esprit. Bon, c'est reparti. Ouais, il y a un chemin là, il y avait un truc là aussi. Quelqu'un? Ça glisse ou pas ça? Qui se cache là-haut? J'ai fait ce que j'ai pu, mais il y a une unité impériale. Je me suis dit que je devais te prévenir. Ça me va. Bon, qu'est-ce que tu fais là, ma biche? Ouais, mais attends, du coup, si là, c'est le chemin principal. Parce que bon, pour moi, ça ressemble pas au chemin principal, ça. C'était quoi en bas? Oh! Ah, fait de l'œil celui-là. Ah, tu sais, voilà, quand il y a du pognon en jeu, on a le détecteur! Ouais, du coup, c'est quoi ça? Il descend. Oh! Ah, bah d'accord. J'aurais dû le tester avant. Bon, bah, me revoilà, ma biche! Tout bon. Moi je te laisse le gros robot. Haha, t'es une sorcière. Salut. Boum. Voilà, on pète tous. Voilà, boum. Aïe. Mais, ah mais tu peux pas t'occuper du robot toi? Oh bah tu t'es. Viens là toi. Laisse ma copine. Oh je croyais qu'il était fini moi. Oh. À 2 secondes. Elle a plus droit, méchant. Il a trouvé un moyen d'entrer dans le temple. Non, mais compliqué. J'ai entendu des impériaux parler d'une nouvelle machine d'excavation. On bouge. Ouais, attends. Parce que là, je vois qu'on peut courir là-haut, mais. Ah ah ah, ça c'est long. Viens là-bas. Bah écoute, je sais pas. T'es où? T'es deux. Je suis explorateur. Il faudra montrer ça aux anachorètes. Bah voilà. Ah. Il y a des chemins partout quand même.
Encore. Ah, c'est un écho, ça. Hé, hey, Marblola, ma biche, ça va? Meryn? Un instant. Ça m'impressionne toujours. Tu n'as pas encore vu toute l'étendue de mes pouvoirs, Calcestis. Ça vient de cette salle. Alors trouvons le moyen d'y entrer. Ah ouais, bah écoute ça. Wouhou! Quoi, tu viens pas? Voilà. D'abord le trou. J'adore explorer les trous. La force est puissante dans cet endroit. Ah ben là, on est dans les temples de Zelda, là. J'ai l'impression que ça tourne. Si je saute, je vais tourner, non? Bah, non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, pour l'instant, ça va. Je me suis fait peur. Attends, je vais où là? Attends. En vrai, je vais où? Ah, mais ça, on a déjà été là-bas, non? Ouais. Bah, moi, je vais là. Ah non, mais c'est le même chemin, ça. Ouais, j'ai poli bizarre leur truc. Oh, je vais sauter. C'est vraiment pour atterrir sur le dessus du cube, quoi. J'ai le son à fond, comment ça... C'est fort le bruit du vent. Wow. Voyons du cube alors. Ouais. Je comprends rien du tout. Ils veulent faire quoi maintenant? Bon, je tente un truc. Ah, bah non, ça glisse. Je vois pas du tout ce qu'il faut aller. C'est quoi cette salle? Ah ouais, bah ouais, bah ouais. Mais c'est... Je sais pas.
Bon, on va peut-être encore mourir, mais j'ai juste envie de voir. Non, c'est pas un truc activé, ça. Pourquoi tu nous fais un tournant pour avoir une corde et au final la corde elle nous ramène nulle part? Ouais, j'ai du mal à comprendre là. Puis y'a rien. On voit une porte en bas, d'accord? Mais si je saute, bah forcément c'est la mort. Ouais. Puis y'a bon, y a pas d'autres cubes à déplacer, c'est quoi ça? Ah, puis on peut pas les ranger. Alors attends. Ouais, je regarde le point, on peut pas, mais. Votre dos ça passe. Ici, y a rien, je suis déjà mort ici. Envoie un steam BD. On sait jamais. Bon, en vrai, je sais pas. Moi, sérieux. On cherche toujours compliqué, c'est hallucinant. Ouais, par contre là c'est shot, je vais m'envoler dedans. Te revoilà. Salut. Le camp de travail impérial sur Maza. La garnison est à moitié vide. On peut frapper avant que les renforts n'arrivent. Ça semble prometteur, mais... Mérine et Grise ne sont toujours pas revenus au vaisseau. Dès qu'ils sont rentrés, je partirai en éclaireur. Et eux, ils se reposeront. Tu sais bien qu'ils refuseront de se reposer tant que tu seras en danger. Tu n'abandonnes jamais. Et à vrai dire, c'est ce qui nous inspire tous. Mais tu dois te rappeler que là où tu les conduis, ils te suivent. C'est vrai que je force pas mal ces temps-ci, mais... Depuis que Grise a été blessée... Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé à Grise. Mais depuis ce jour, tu prends trop de risques. J'ai tout le temps peur qu'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous. C'est une bonne chose d'avoir conscience de tes peurs. Mais ne laisse pas ces peurs tracer ta voie. Concentre-toi sur le présent. Choisis-toi un chemin et agis avec certitude. Et dis-toi que quels que soient les risques, tu peux y arriver. Cal, tu dois croire en toi. Croire en la force. Exactement. Sauter, appuie sur rond pour effectuer. Ah ! On peut plus reculer. Concentre-toi sur le présent. Et on force le passage. Ah ouais, ça va être pas mal ça. J'ai vaincu le vent. On va devoir foncer au cœur de cette tempête. Ouais ! T'as toujours su où me guider. Même quand j'ignorais ma Qu'est-ce qui s'est passé? Vois par toi-même. Non, mais moi je vais à des endroits improbables. J'aime bien balader. À chaque fois je dis, mais j'aime bien balader. Pas mal. Tu vas peut-être arriver à me suivre, ma Oui, Git. On va bientôt le savoir. Que font les impériaux? Ils sont près de l'entrée. Ils attendent quelque chose. Alors on a encore du temps.
Sauf qu'il y avait encore un chemin, les gars. On est d'abord entré dans le trou. J'aime pas la tournure que ça prend. Cette chose va détruire le temple. Frère Arya, c'est toujours à l'intérieur. Séparons-nous. Je vais distraire ce monstre. Fais attention. On se retrouve à l'intérieur. Ah, ok. Je vais distraire. Sauf que moi je retourne dans le trou. On va prendre un petit soin parce que on meurt beaucoup. Surtout dans le vide. En avant BD. Attends, on avait ouvert là. Voilà. C'est maintenant ou jamais. Sauf que bah non. Il y a encore un chemin mon gars. Ça tombe, il y a rien du tout, mais il y a un chemin. C'était celui-là. Bah voilà, rien du tout. Nous avons fait tout ce chemin. Du coup, le retour, c'est impossible par ici. Pour mourir ici. Aucun trésor ne vaut la peine de mourir pour lui. Ouais, bon, je tente. Hein. Non, pas non. Bah allez, on a refait le grand détour. Ah, j'aurais dû fouiller avant. À chaque fois, je suis là, je vois une entrée gauche-droite. Je vais pas plus loin, quoi. Note à moi-même, vérifie avant. Alors, du coup. Ah ouais, du coup, il faut redévaler, il faut remonter là. Ah là 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 là. Vas-y, grappin. Ah, cette planète-là, décidément, je me perds dans tous les chemins. Alors moi, c'est bien, on progresse. Voilà. Un petit peu par là. Hop. Voilà. C'est bon. On a rattrapé le retard. Au moins, Meryn a le temps de distraire l'Empire. Me revoilà. Allez, un zébardé. Faut pas y retourner, moi. Attendez, juste avant, c'est jamais. Oh non, y'a lance-flamme, j'aime pas. Y'a avec moto, y'a pas un. Voilà. Tu es seul maintenant. Ah, oh, gros nul, salut. Ok. Est-ce qu'on peut planter le sable pour descendre là-bas? Non mais, non, lâche! Lâche le roux! Ouais. Et c'est un chemin pour faire quoi? Cette manœuvre va demander un peu de préparation. J'espère que Meryn pourra les ralentir. Ok, non, bah c'est le chemin. Eh ouais, mon gars. Un ennemi ? Ici ? Oui. Et toi ? Ça va ?
Oh. Comment ça va, BD? Tu t'amuses bien? Lui s'en fout. Lui s'en fout, hein, il peut planer. Maintenant qu'on a plus de sous, y'a que ça. Ouais, t'es. J'ai pas fait une erreur là. Oui, j'ai fait une erreur. Salut, ça va les gars? Salut! T'as abusé quand même le saut maintenant. On s'appelle là-bas? Ah non, mais balance-toi! Fais quelque chose. C'est pas le moment de faire les tractions. Bon. Voilà. C'est vraiment un raccourci, ça. Enfin, on est arrivé! Incroyable. Mais ça n'empêchera pas l'Empire de le réduire en poussière. Deux épisodes pour en arriver là, quoi. Waouh! Oh, va des juice! Attends. Pas d'écho, pas de cadeau. Mais. Oh, de sauter dans tous les sens! Mais arrête! Il est excité, lui! Laisse-moi contrôler la caméra! Hey, cette entrée n'apparaît pas sur les scanners environnementaux. Peut-être qu'ils sont bloqués ailleurs. Peut-être qu'il y a des grottes et des tunnels là-bas. Continuons à pied. Bien vu. En vrai, ils sont gentils. Ennemi en approche! La reçue ne laisserait pas le tuer. Moi aussi. Le petit con serait de là. Y'a pas de cadeau, bande de radins. Peut-être là-bas. C'est quoi cette bonne énergie? Salut. Salut. Il est en train de dormir là, lui. Bah, décidément. Ah bah là. Il y a un trou. Il faut se dépêcher. Le frère Armias ne pourra pas se cacher éternellement. J'arrive, mon frère. Tu sais quoi faire? Vas-y, mon gars. Un asile pour tous ceux qui le cherchent. Ça sonne trop beau pour être vrai. Le sanctuaire du pèlerin devrait être l'endroit idéal pour le refuge. Sa proximité avec les archives est idéale. Grâce à tes talents, ce temple pourrait redevenir un havre de paix pour les nécessiteux. On s'arrête un instant. Juste un instant. Il faut continuer. Oh là là. Oh bah c'est qu'il y a du monde. Les occupants du sanctuaire du pèlerin ont bien changé. Ce droïde sentinelle risque de poser problème. Pourquoi nous, on prend toujours des chemins dangereux?
Je suis sûr, ils ont eu un ascenseur. Là, en face. Mais pourquoi tu fais déjà ton double saut? J'ai même pas appuyé. Je suis la roquette, lui. Ici. Personne. Je pense pas avoir une chance face à un Jedi. Ils sont une grande menace, mais les opportunités, si on en tue un. Bon, après, c'est que moi, quoi. J'essaierai de faire plus. Je vais t'éteindre. Oh. Bonjour. Bon. Mais fais quoi lui, il se bat tout seul. Ah ouais, c'est chiant. On va garder ça. Si tu cibles pas les adversaires, bah il va taper au pif. Mais par contre, quand il y a beaucoup d'adversaires, ça passe quoi. T'es pas obligé de cibler. Bon, il tape pour un fût. Ah bah ça, toujours un mystère. Il y a un cadavre en bois, juste pour... Oh, c'est Roger. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, moi je suis de retour là. Ouais, oh, il y a que maintenant qu'ils m'entendent. Le robot, je peux pas le pirater, c'est dommage. On va se battre ensemble. Défoncez-le! Ah, salope! Chi salopio! Toi t'es mon copain! Toi t'es mon copain! Ah bah on peut pas en faire deux! Oui, dégâts subis! Ils en ont après toi! Il tire sur qui lui? Pourquoi tu en reviens? Biou, biou. Bah il me fuit. Oh, j'ai tué mon copain. Tu es mon copain. Aïe, défonce le petit. Ouais, c'était moi depuis le début, je suis ton copain. Eh, dis donc. Aïe. Ah, t'as rien à se connaître ici, BD. Non, ah bah, ah bon, parle. Ok, bon bah allez. Toujours aucun signe du refuge du passage. Où est notre copine? Mais allez! On va attendre. Hein. On va tuer. Attention hein. Ouais, je peux courir sur le mur, mais attends, il y a pas d'armes. Est-ce que c'est moi, vous me gênez? Merci.
Parfait. Cela devrait empêcher les scanners de l'Empire de détecter nos opérations. Bah où allons-nous? M'a pas vu. C'est vrai. C'est quoi? Raccourci. Ok, nickel. Oh, le boucan que ça fait sous toi? Tout est possible avec Impossible. Tout. par contre, on va où? Par comment on plonge déjà? Même sous l'eau, ça fait un boucan. Oh là. Ok, c'est rond pour nager plus vite. Attendez. Ah, wow, la caméra. Wow, tu fais quoi? Y'a quoi ici? Allez, la caméra, je veux voir. Rien du tout. Ah, bah par là, on verra bien. De toute façon, ça ramène, je crois. Oui. Il a rebondi le mec. Bon, c'est parce que je préfère les passages dans l'eau, mais ça change. Attends, moi j'aime bien regarder d'abord. Voilà, tu vois. Hein? Non mais... Voilà, maintenant on peut remonter. Je commence à me dire qu'on est au bon endroit. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ça? Ok. Envoie par ici. On sait jamais. Et donc, ça fait quoi? Attends, c'est quoi ce Binson? Oh! Ah d'accord, une prise! par contre, je te la branche où, moi, ta prise? Ah non, ouais, d'accord, je veux le dire. Ah vas-y, c'est tout bon, tu peux passer. Allez, vas-y. Ah, c'est pas tout bon. Autant pour moi. Bon, bah, on repart. Ah, mais je rigole, on revient. Ok, cette fois, c'est tout bon, tu peux y aller. Ah, lâche. Là, je te repousse à coup, normalement, t'es bloqué. Ok, c'est bon. On a compris. Mais non, pas ça. Oh, t'as suffi, hein. Je voulais la prise, moi. Voilà. Ah, quand même. On se rapproche. Oui, t'as vu quoi? T'es où? T'es où, mon enfant? T'as vu quoi? Ça donne quoi, BD? Le passage à découvert. Oh. On le voit pas. Ils ont évacué les lieux dans la précipitation. Mais du coup, Mérine, tout ça, bah elle est où, quoi? Par ici, tout le monde. Allez. Plus vite. Vous venez avec nous? Je dois rester encore un peu. Allez-y, le temps presse.
Je vais sceller le passage derrière vous. Que la force soit avec vous tous. Qui un sacrifice quoi. On se calme. C'est Sere Junda qui m'envoie. Maître Junda, vous avez utilisé la force. Vous êtes Calpestis. Il faut y aller. L'Empire est presque là. Oui. C'est pour ça qu'il faut rapporter ceci à Maître Junda. Ses codes de contact ne doivent pas tomber entre les mains de l'Empire. Oh, ça y est! Pu le sauver. Par contre, il a une mort con, lui. Allez, que bah, deux secondes, c'est mon moment Finchou. Ah, ça m'énerve, ça, eh! Moi, j'aime pas comme Crisu, d'accord? Il est de notre devoir de faire en sorte que sa mort n'ait pas été vaine. Allons apporter ses codes à Siri. Oui, cours! On a l'attention de ce truc. Ah ouais, mais je peux pas voler moi. Oh, on peut le faire deux fois. C'était tout juste. Tu m'impressionnes. Bah écoute, moi aussi. Y'a un cadeau, je le sens. En plein fight quoi. Je sais pas ce que je fais, je panique. Oh, c'est passé. Ouais, je commence à réfléchir, je voyais les touches apparaître. Je vois une entrée. Alors dépêchons-nous. Ok, ma biche, un zabardi, un suma, c'est tout droit. Ouais, t'as dit, il y a tout. Ah, il a pas sauté deux fois. Oui, alors je dis Sam. Zelda, Zelda. Uzi, du premier coup. Oh, je sais pas ce qui se passe, il y a une ombre. Il y a une ombre. Courez. On va où, chérie? On ne devrait pas emprunter le chemin du pèlerin pour atteindre la base de Serré. Il y a un autre chemin, mais il y a beaucoup de patrouilles. On peut le faire. Elle est où ma biche? Ah ok, c'est bon, c'est le bon chemin. On est de retour. Boum. Encore pour le talisman. Tu en as plus besoin que moi. Attends, on va le prendre quand même. Voilà, c'est bon. Au cas où. Il faut qu'on continue. On a le point de contre. Oh. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était de l'eau. Restons sur nos gardes. Allez, venez! Je me concentre à quoi? Toi aussi, fantôme du désert. Eh, c'est Redou! Je vois un ennemi! On rentre le pas, faites attention!
Oh. Waouh. Hey, c'est encore nous. Oh non, il a la roquette, putain. Je peux pas renvoyer les roquettes. Laisse ma bibiche. On n'a aucune idée de ce qu'il est sur le point de découvrir. Tant mieux. Ils ne doivent jamais apprendre que le passage est... Ouais, on est chaud là. Salut. Aïe. Ouais, venez, il y en aura pour tout le monde. Oh, il prend cher. Oh là là, j'ai cru qu'elle allait lui passer les balls. Tu crois que ça va le faire? Bien sûr. Tu penses à quoi? Pas le temps d'expliquer. Tu me fais confiance. Oui. Pour me porter chance? Non. Pour moi. Ah bah moi après ça je te donne les clés de la maison, je te fais tout. Moi je suis sensible à ce genre de choses, madame. Allez. Oh, attends. Attends, il se passe tellement de choses là d'un coup. Un bisou, on vole. Je savais pas que déjà que t'avais les pouvoirs de Doctor Strange. Waouh. On a changé le jeu, les gars, c'est Marvel. What did you? C'est tout juste. Sans blague. Il va bien avoir un point faible. Oh lolo. Bien joué, Cal. Ne nous réjouissons pas trop vite. Attends, je suis concentré de ouf, là, meuf. Il se passe tellement de trucs, là. Oh lolo. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Y'a un trou. Ah, j'ai pas été aussi. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai une idée, mais j'ai besoin d'une ouverture. Moi je m'enfuis, je vais en haut. Attends, je reviens. Ah mais blanche. On peut plus fuir. Alors on fait face ensemble. C'est maintenant ou jamais. Avant de sauter, je voulais te dire, je t'aime, bébé. Oh lolo. Ah, oh, je sais pas vous les gars, mais pour moi c'est le meilleur épisode là. Oh là là. Houhou. Comment t'as fait ça? Rituel que j'ai appris en retournant sur Datomir. Bah super. C'est épuisant. Ça va? Ça va. Ah, je suis... Apportons ces codes à serrer. Wouah.
Et j'ai regardé ses potes cadeaux, comme d'hab. Ah bah dis donc. Que d'émotion. Quoi? T'as mis un truc? Petit coquin va. Ah, le passage de fou quand même. Oh c'était trop bien. Ah j'adore ce jeu, j'adore. Ah c'est bon, c'est validé. Il n'y avait aucun doute, mais là, wow, wow, wow. Du coup, le passage, il est pas très loin, en fait. Faut qu'on monte sur Booba. Ouais, c'est ça. C'est devant, normalement. Ouais, dans les montagnes. Par contre, il n'y a pas de Booba. Et où, Booba? Hé, hey, Booba! Il est là, Booba. Tout doux, tout doux. Allez, chérie. Chevauchons, Booba. Moi, je pense qu'on va aller rendre ce qu'on a à rendre, les amis, puis on va s'arrêter là. Du coup, bah, c'est là-bas. Il y a le garage des Booba. Ouais. Ça, pour une fois, on se rappelle d'un passage. C'est là. On est passé par où? Est-ce que ça serait pas moi qui ferais une erreur? Bon. Si tu me cherches, je serai aux archives. D'accord. Bon, ça, on n'a rien débloqué du coup pour faire ça. Mais c'est bien, maintenant on pourra passer à travers les barrières vertes. Parce que j'avais vu qu'il y avait des petites quêtes secondaires et tout ça. Et on était bloqué avec. Allez, on se battait pour le rapport. Salut, c'est qui je dois me plaindre? Toi? Serré. On n'a pas pu sauver Hermias. Il s'est sacrifié pour ça. Je suis désolé. Je sais que tu as fait de ton mieux, Cal. Et les impériaux? Ils nous ont pas suivis. Hé, hey, le ferrailleur. Content de te revoir sain et sauf. Maître Cordova? Vous avez trouvé comment traverser l'abysse? Non. Mais vous peut-être, Cal. Baud et moi avons réussi à trouver des données intéressantes dans les archives. Montrez-lui ce qu'on a trouvé. Il y a des siècles, la République a établi une colonie sur Kobo pour étudier une anomalie stellaire du nom d'Abysse. Centauri Kree menait l'équipe de recherche. Ses aides à côté. Leurs premiers essais pour traverser l'abysse furent désastreux. La République était sur le point d'abandonner le projet. Et devinez qui s'est porté volontaire pour partir seul et découvrir la planète de l'autre côté. Dagan. Grâce aux données de son voyage, Kree a inventé les compas de l'abysse pour guider les autres vers Tanalor. La République a établi une colonie, les Jedi ont construit un temple, comme tu l'as dit, Cal. Mais cette ère de paix et de prospérité a pris fin avec l'invasion de maraudeurs de la bordure extérieure. Moi aussi, je les ai vus, mais comment ils ont franchi l'abysse? Ils ont dû voler un compas. Mais vous en faites pas, on sera pas aussi négligent. Submergé, la République a abandonné Tanalor. Et le Conseil Jedi a ordonné à Kree de détruire les compas. La Gamgera a refusé, et s'est rebellé contre l'ordre. C'est un Jedi. Il ne s'allie pas souvent à d'autres espèces. On dirait que Revis travaillait pour Dagan depuis plus longtemps qu'on ne pensait. Donc l'ordre a envoyé des Jedi récupérer les compas. Et Dagan les a tués pour ça. Un Jedi qui tue d'autres Jedi. Sauf que Santari a dit que Dagan était la clé de Tanalor. Peut-être que oui, jeune Jedi.
Malgré mes efforts, les compas que tu as rapportés sont trop endommagés. Cependant, les rapports indiquent que 3 d'entre eux sont manquants. Et vous pensez qu'on peut en retrouver un ? Oui. Et Dagan a envoyé son armée les chercher. Je te demanderais bien de rester nous aider. Mais je connais cet air. Quel air ? L'espoir. Cette planète est un refuge pour tous ceux qui s'opposent à l'Empire. Vous seriez du voyage ? Enfin, Gris peut réaménager le Mantis, pour vous tous. Non. Cet endroit a besoin de moi. Le passage a besoin de moi. Cordova ? Je suis navré, mon ami. Mais pour l'instant, ma place est sur Jeddah avec Céré. Laissez-moi vous donner une clé de données pour accéder aux informations, où que ce voyage vous mène. Ne me dis rien. Tu restes aussi ? Quand on s'est rencontrés, je croyais que ce qu'on partageait était... unique. Des survivants. Combattant ensemble contre l'Empire qui avait tué nos familles. Oui. Tu m'as aidé à comprendre que je ne suis pas seul. Et toi aussi. Mais la galaxie est pleine d'êtres vivants qui ont souffert autant que nous. Comme Céré l'a dit, tu l'auras peut-être trouvé un sanctuaire. Peut-être. Si on arrive là-bas. Je viens avec toi. En plus, ça fait une éternité que j'ai pas eu la possibilité d'agacer Grise. Rendez-vous sur le Mantis, sœur de la nuit. Excuse-moi, du coup, je peux dire sur les réseaux qu'on est en couple ? Non, parce que bon, quand même, on s'est embrassé. Moi, ça y est, je t'aime. Bon, bah écoutez les amis, nous on va s'arrêter là pour cet épisode. Oh, franchement, il était dingue, hein, surtout la fin. Oh, j'ai trop aimé. C'est incroyable. Allez les amis, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, ou ma petite personne également. On sait-on jamais ? Allez, même le petit pouce, si le cœur vous le dit. Et puis bah voilà les amis, c'était Woody. Je vous fais des bisous. Ciao les amis.